Ma sœur, mon frère, mon ami, le Seigneur est là. Il t'appelle et il t'invite à l'écouter et à le recevoir ici et maintenant. Entrez, entrez. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Je nous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Tu nous invites à faire maintenant une pause sous ton regard au milieu de l'agitation de nos vies. Tu nous proposes de vivre ici et maintenant un temps d'écoute et de partage, un temps de prière et de louange, un temps où nous pouvons nous ressourcer à ta grâce et à ton amour. Tu nous invites tout simplement à vivre un temps où par ton esprit, nous apprenons à nous retrouver les uns avec les autres, en communion avec Jésus-Christ. Louange à toi, notre Père. Amen. Je vous invite à un premier cantique, réuni en ton nom. Lecture du psaume 95, les versets 1 à 9. Poussons des cris de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec reconnaissance, avec des psaumes, acclamons-le. Car le Seigneur est un grand Dieu. C'est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer lui appartient, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme aussi, ses mains l'ont façonnée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous fait, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau que sa main conduit. Si aujourd'hui vous l'écoutiez, ne vous obstinez pas comme à Mariba, ou comme au jour de Massa dans le désert où vos pères m'ont provoqué en m'éprouvant bien qu'ils aient vu mon action. Si aujourd'hui vous l'écoutiez, je vous invite encore à un cantique avec des cris de joie. Et là aussi, faites ce qu'il vous semble bon pour vous. Ma bouche chantera.
Écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous et pour lesquels il nous donne la force. Lecture dans Jérémie, chapitre 9, les versets 22 et 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur. Je vous invite à la prière. Je voudrais, mon Dieu, tenir les ficelles de ma vie, être maître des événements, conquérir mon propre destin, gagner mon salut à la sueur de mon front et de ma pensée. Mais alors, je te prie, sauve-moi de moi-même et ouvre-moi à toi. Je cède volontiers au chant des sirènes et aux langues des serpents, qui me laissent entendre que je peux être le centre d'un monde que je façonnerai à ma guise, selon mon bon plaisir. Mais alors, je te prie, sauve-moi de moi-même et recentre-moi sur toi. Je me laisse tenter par l'idée qu'être libre, c'est décider soi-même, dicter sa propre loi, penser avec satisfaction n'avoir besoin de personne, surtout pas d'un plus petit que moi. Mais alors, je te prie, sauve-moi de moi-même et rends-moi libre en toi. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 10, on peut lire « Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, mon amour pour toi ne faiblira pas. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Alors pendant le cantique suivant, nous aurons également l'opportunité de chanter, mais aussi de remettre à Dieu ce que nous avons préparé. J'invite Jérémie alors à faire passer les paniers pendant le cantique, quand les montagnes s'éloigneraient. Thank you.
Éternel, parfois, ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie et de liberté. Parole venue du passé à travers le vieux livre de la Bible. Parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoignent en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires et ta présence profonde, ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler les vents libérateurs et qui trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché et nous invite à le suivre. Amen. Lecture dans le livre d'Habacuc ce matin, presque tout le chapitre 1 et quelques versets du chapitre 2. Donc, je vous rassure, ce n'est pas très très long. « Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes ? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ? Ravages et violences sont devant moi. Il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais. Parce que le méchant assaille le juste, c'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car une œuvre est en train de s'accomplir que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je suscite les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes pays pour prendre possession de demeures qui ne leur appartiennent pas. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et sa suprématie. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus mordants que les loups du soir. Ses chars se déploient. Ses chars viennent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout entier, il arrive pour la violence, le visage tendu vers l'avant. Il amasse des captifs comme du sable. Lui, il se moque des rois. Il rit des princes. Il se rit de toute forteresse. Il amoncelle de la terre et il la prend. Alors un souffle passe et s'en va. Il se met en tort, lui dont la force est pour son Dieu. Mais toi, n'es-tu pas dès le temps jadis, Seigneur, mon Dieu, mon Saint ? Tu ne meurs pas, Seigneur. Tu l'as établi pour le jugement, mon rocher. Tu l'as institué pour châtier. Tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres ? Pourquoi gardes-tu le silence comme un méchant englouti plus juste que lui ? Tu traites les humains comme les poissons de la mer, comme les bestioles qui n'ont pas de maître. Tous, en parlant des méchants, il les enlève à l'hameçon. Il les tire dans son filet. Il les recueille dans sa nasse. Alors il se réjouit et il est dans l'allégresse. Alors il offre un sacrifice à son filet, de l'encens à sa nasse, car par eux sa part est grasse, sa nourriture copieuse. Alors va-t-il vider son filet et massacrer des nations constamment sans épargner personne ? Je vais me placer à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Le Seigneur me répondit : Écris la vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien, elle ne sera pas différée. Son cœur se gonfle, il n'est pas droit, mais le juste vivra en tenant ferme. Encore un texte très actuel ce matin. Ce matin, je vais vous livrer quelques notes, quelques réflexions, encore un peu brutes pour certaines, car ce sujet est très brûlant. De tout temps, l'humanité traverse des crises en tout genre. Je ne vous apprends rien.
guerre, oppression géopolitique, famine, catastrophe naturelle, etc. Et ces crises amènent systématiquement et naturellement le même genre de réflexion. Elles sont perçues tantôt comme des conséquences, des rétributions divines, le karma, tantôt comme signe de la fin des temps, la fin d'une ère, la fin d'une idéologie. Cela révèle une tension entre espérance et fatalité. Comme on l'a abordé la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, l'espérance dans la souffrance ne peut uniquement résider dans l'attente d'un au-delà meilleur, mais dans un aujourd'hui éclairé. Il y a une tension entre espérance de la fin et engagement dans le présent. Dans notre texte, le prophète Habacuc s'indigne. Il s'indigne de façon exemplaire, face à ce qu'il traverse, lui, avec ses contemporains. Il voit comment son monde s'écroule et que le chaos l'emporte. Il y a un abîme entre la déclaration de foi ancestrale, Dieu nous a sortis de situations bien pires que cela, issues du credo de l'Exode, et la situation objective qu'il est en train de vivre. Il aurait pu se tenir à cette promesse, cette espérance que Dieu les sortira de toute façon de cette période trouble. Et pourtant, il ne se cache pas dans sa tour d'ivoire. Il se lève et il interroge depuis sa tour de garde, nous dit le texte. Il lui dit, « Mais Seigneur, comment est-ce que tu vas t'y prendre ? Quelle est ta théologie de l'histoire ?» Les versets 12 à 14. « Mais toi, n'es-tu pas là des temps jadis ? Seigneur, mon Dieu, mon Saint, tu ne meurs pas. Seigneur, tu l'as établi pour le jugement. Mon rocher, tu l'as institué pour châtier. Tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder l'oppression. » Pourquoi donc regardes-tu les traîtres ? Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui ? Tu traites les humains comme les poissons de la mer, comme les bestioles qui n'ont pas de maître. En d'autres mots, si je vais paraphraser très très fort le prophète, c'est quoi le projet ? C'est quoi le projet, Dieu ? Est-ce qu'on est là seulement pour servir ? Servir de nourriture, servir de chair à canon, servir de main-d'œuvre. Et puis les versets suivants, tous, il les enlève à l'hameçon. Il parle des méchants, Il les tire dans son filet, il les recueille dans sa nasse. Alors il se réjouit, il est dans l'allégresse. Alors il offre un sacrifice à son filet, de l'encens à sa nasse, car par eux, sa part est grasse, sa nourriture copieuse. Alors va-t-il vider son filet et massacrer des nations constamment ? Sans épargner personne ? Quelle utilité a tout cela ? L'être humain ne vit-il que pour écraser l'autre ou se faire écraser ? Pour être servi ou pour servir ? Et surtout, ce que Habacuc demande, quelle est la place ? Quelle est la place de Dieu dans cette histoire ? Dieu est-il seulement du côté du plus fort ? À qui on remet les victoires, les bénédictions, même si elles ont été obtenues de façon malivole, c'est-à-dire avec des intentions mauvaises. Alors j'ai appris ce mot malivole ce week-end, et j'avais demandé, en parlant avec Nicolas, et on s'est challengé pour que ce matin on puisse le dire, donc ça tombait parfaitement. Dans le silence de Dieu, dans le fait que Dieu ne semble pas réagir à la souffrance infligée par l'oppresseur, Habacuc s'insurge. Il s'insurge contre l'insensibilité apparente de son Dieu face au malheur. Et il pousse son questionnement jusqu'à demander à Dieu si l'être humain ne serait-il pas simple acteur d'un spectacle à son insu, un peu comme le film de Truman Show. Sommes-nous seulement des bestioles sans maître ? Dieu est-il impuissant à notre malheur ? Si oui, à quoi ça sert de s'en remettre à un être supérieur spectateur ? Et sinon, pourquoi laisse-t-il les choses encore se faire, se passer ? Le côté lumineux du texte d'Habacuc, c'est que cette réflexion, aussi sombre soit-elle, ne paralyse pas le prophète. Il n'envoie pas tout bouler, il ne reste pas là non plus à se lamenter sans réagir. Au contraire, il décide de veiller activement. Je vais me placer à mon poste de garde, je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira.
Il ne peut pas rester sans rien faire. Et il se remet au travail. Son travail de prophète, celui qui consiste à être à l'écoute, de s'attacher à l'espérance d'un Dieu transcendant, qui a une parole pertinente et entendable en toutes circonstances. Il ne peut pas croire que Dieu joue avec les nations comme on jouerait au risque, avec plus ou moins de stratégie. Il est certain que Dieu l'écoute. Et il le provoque. Il provoque Dieu à lui répondre. Ce texte est frappant. C'est un dialogue entre Habacuc et Dieu, dans lequel on ressent à la fois de l'intimité, à la fois une certaine forme de distance. Il y a des silences et des réflexions personnelles. On pourrait dire que ce texte est une prière honnête, adressée à Dieu, et dont la réponse paraît tarder à venir. Dans sa prière, Habacuc se plaint. Il se plaint à Dieu des violences et des injustices qui sévissent en Israël. Et la première réponse de Dieu est terrifiante. Si je devais la résumer, Dieu va dire « Accroche-toi. Accroche-toi parce que ça ne va pas s'améliorer. » L'oppression est bien violente, elle est existante en Israël, mais ça va être délogé par les Chaldéens. Mais alors là, ça va amener d'autres maux, encore bien plus terribles. Les perspectives que Dieu donne ne sont pas bonnes du tout. J'ose interpréter alors la réponse d'Habacuc comme une grande question existentielle. Pourquoi ne fais-tu rien ? Rien de plus que de constater. Moi j'ai vu et ça m'est insupportable. Et toi tu restes là, sans réagir. C'est ça la justice ? Le méchant assaille le juste jusqu'à ce qu'un autre méchant arrive, etc. Sommes-nous comme des petits poissons, uniquement là pour nourrir de plus grands poissons ? Puis la réponse de Dieu, la deuxième réponse de Dieu, qu'offre notre texte, éclaire ce tableau bien pessimiste. Il est une invitation à tenir bon, dans le sens de tenir le coup, en restant juste, c'est-à-dire en continuant à s'opposer au mal. Le Seigneur me répondit, deuxième réponse, « Écris la vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour les temps fixés. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. » Elle ne sera pas différée. Son cœur se gonfle, il n'est pas droit, c'est en parlant du méchant, mais le juste vivra en tenant ferme. Le méchant s'enfle, mais le juste vivra par sa foi. Habacuc ne renonce pas à attendre, une réponse de Dieu, et elle vient. Dieu a entendu et il annonce une bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Ce n'est pas encore le temps de la bonne nouvelle, à proprement parler, mais elle illumine déjà le paysage ombragé. Alors qu'Israël subit et va encore subir une justice d'apparence injuste, Dieu annonce une justice, un salut non plus par la force, ni par une autre puissance toujours plus écrasante, car le projet de Dieu n'est pas la loi du plus fort. Habacuc choisit de rester attaché et d'attendre fidèlement une réponse. Il tient ferme, il reste fidèle car il sait que Dieu est fidèle. Il agit justement car il sait que Dieu est juste. Et dans la seconde réponse de Dieu, on comprend qu'Habacuc a vu juste. Celui qui recherche la justice a la fidélité comme mode de vie. C'est intéressant de constater que ce verset 4 du chapitre 2, « Le juste vivra par la foi », est cité trois fois dans le Nouveau Testament, dans Romains, dans Galates, dans Hébreux, toujours dans un contexte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu ne suscite plus un peuple plus féroce pour administrer la justice, alors qu'Habacuc convoque Dieu contre Dieu lui-même dans son insurrection, Dieu va incarner lui-même aussi la justice au travers de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, doit-on accepter un monde amoral guidé par des non-valeurs telles que rentabilité, compétitivité, qui débouchent à des dérives injustes? Est-ce que c'est ça le projet de la création? Écraser l'autre pour s'en tirer mieux? Habacuc
s'oppose à l'image d'un Dieu qui prend plaisir à regarder la création de haut. Tu traites les humains comme les poissons de la mer, comme des bestioles qui n'ont pas de maître. C'est ça le projet ? L'être humain n'est qu'une bestiole guidée par la force et l'instinct ? Et toi, ça te convient, demande Habacuc à Dieu. Habacuc s'insurge. Il prend la décision de tenir bon, de veiller. Car la foi, c'est plus que des convictions et des règles dans un paquet cohérent, cette loi qu'Habacuc défend dans le verset 4 du chapitre 1. La foi, c'est un projet de vie, impliquant la personne et toute son existence. La fidélité, c'est de croire que Dieu va répondre, qu'il ne sera pas vaincu par le chaos et la désagrégation du monde et du droit. Habacuc va guetter, c'est-à-dire qu'il reste à son poste de prophète. Il va guetter un signe, une parole de la part de Dieu, car Dieu va répondre. Il doit répondre, avec le risque de peut-être être réprimandé s'il avait été trop loin, mais il se tient à son poste et il attend activement. Je vais me placer à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Au milieu de la détresse, le prophète veille, car il sait que Dieu est là. Il ne se laisse pas complètement désorienter par ce qu'il voit, par ce qu'il vit, par ce qu'il subit. Dieu va parler alors et il se met à son écoute. Dans notre texte, le prophète semble rester calme. Il n'a pas l'air de courir comme un poulet sans tête, mais il voit des choses et il en fait part à Dieu. Il fait part à Dieu de son incompréhension et les remet à Dieu qui va répondre. C'est ce qu'il croit profondément. Et ce texte le souligne. Dieu va parler sans tarder et en toute vérité. Le méchant, celui dont le cœur se gonfle, dit le texte au verset 4 du chapitre 2, pense se tirer d'affaire par la violation du droit. Le juste, lui, se forge une vie grâce à sa fidélité, en tenant ferme. La foi devient un outil existentiel. Le juste n'est pas épargné du monde. Il vit dans le monde, par sa fidélité. Habacuc n'espère pas que Dieu le relève, parce qu'il est debout. Il ne vit pas avec la consolation d'une promesse que ça ira mieux demain, dans l'au-delà. La promesse d'un au-delà meilleur, pour ceux qui souffrent aujourd'hui, est-ce que cela soulage réellement ? Est-ce que ça nous permet de tenir bon, de se dire que demain ce sera mieux ? Bien sûr, l'espérance d'un demain meilleur, elle est vraie. Nous attendrons tous le retour du Christ et l'établissement de son règne de paix et de justice. Mais cette espérance, même si certains pensent que c'est pour bientôt, elle est en porte-à-faux avec les situations quotidiennes et notre actualité désespérante. Alors comment rendre compte de nos raisons d'espérer ? Comment répondre à une autre parole que l'on trouve dans la Bible, dans un autre texte, dans le Nouveau Testament cette fois-ci, celle de 1 Pierre 3,15 ? Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Qu'est-ce qui me permet d'espérer ? De tenir bon aujourd'hui et demain. Dieu ne veut pas que le mal règne, même si dans notre passage, et même dans l'épître de Pierre, on dirait que Dieu accepte que les siens souffrent. On peut lire un tout petit passage pour remettre le contexte de 1 Pierre 3,15, donc 1 Pierre 3,13. Qui donc pourra vous faire du mal, si vous vous passionnez pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le. Faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que les siens souffrent, mais c'est qu'ils fassent le bien. Les gens qui résistent au mal, qui dénoncent l'injustice, s'organisent pour lutter contre la pauvreté, ceux-là
font l'œuvre de Dieu. Ceux-là vivent l'amour de Dieu. Notre espoir, ce n'est pas d'abord que le monde passera bientôt en nous accommodant des situations plus horribles les unes que les autres que nous avons à voir et à vivre. Le malheur n'est pas bon. Il n'annonce pas la fin proche. Mais il est signe, oui, signe du combat entre Dieu et le mal. La Bible ne dit pas que Dieu se réjouit du mal. Alors nous non plus, à plus forte raison, ne devrions pas nous réjouir de tous ces malheurs qui, pour certains, annoncent une fin encore proche. Notre espoir, c'est que Dieu ne veut pas que le mal l'emporte. Notre espoir, c'est de croire que le monde n'est pas régi par le mal. Mais cette croyance implique notre propre résistance au mal. En conclusion, le texte d'Habacuc a encore aujourd'hui une résonance au XXIe siècle. Comme le prophète, nous nous demandons jusqu'à quand toute cette injustice. Nous voyons que l'indignation d'Habacuc et son cri vers Dieu s'accompagnent d'actions. Il ne se lamente pas seulement. Sa foi le pousse à refuser la suprématie du mal. Je nous laisse une dernière longue question. Est-ce à Dieu de corriger l'injustice des Chaldéens, ou de ceux qui polluent la planète, ou de ceux qui oppriment par la guerre, ou par des systèmes économico-idéologiques quelque chose, qui réduisent les êtres humains à des bestioles productrices? Ce texte d'Habacuc met en évidence la fidélité, non pas comme un chemin de salut, mais comme un système de vie et une réponse active face à un monde en crise. La foi comme éthique de vie de notre être croyant dans notre réalité. La foi n'est pas un refuge en attendant la fin de l'orage, mais elle est une plateforme, elle est au-dessus, une plateforme d'action, une tour de garde, comme le dit le texte d'Habacuc, un lieu d'observation participative, une cellule d'intervention dans notre monde en crise. Éternel Dieu de la vie, tu nous combles de tes bénédictions. Jour après jour, et notre geste d'offrande d'aujourd'hui est un bien modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande, qui ne soient pas que des gestes matériels, mais aussi des gestes d'amitié et des marques de tendresse. Éternel Dieu de la vie, nous te prions les uns pour les autres. Tu sais combien nous regardons les autres avec les yeux du monde. Des yeux qui scrutent, qui jaugent, qui classent. Selon nos envies, nous accueillons ou nous rejetons.
Selon nos principes et nos idées, nous ouvrons nos bras ou nous les fermons. Ô Dieu, notre Père, apprends-nous à regarder autrement, avec des yeux nouveaux. Conduis-nous aux autres en vérité. Apprends-nous, en Église, à transformer notre regard, à vivre des relations fraternelles. Dieu de la vie, en Jésus-Christ, tu nous regardes. Et nous voilà enfants, chacun reconnu et aimé inconditionnellement, indépendamment de nos statuts, de nos qualités, de nos étiquettes. Ô Dieu, notre Père, nous t'en prions, regarde-nous toujours avec ces yeux-là. Amen. Et je vous invite à vous lever pour une dernière fois. Mon frère, ma sœur, mon ami, va dans la grâce et la paix de Dieu. Il est celui qui te dit « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas ».